Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai réalisé une recette de dessert spécial Saint-Valentin. Donc c'est de la panna cotta à la vanille, c'est très simple à réaliser. Et j'ai ajouté un coulis de fruits, en l'occurrence de la pêche, mais vous pouvez mettre le coulis que vous voulez. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un mixeur, de 30 g de sucre, de 20 cl de lait, d'une boîte de fruits en sirop, deux sachets de sucre vanillé, 20 cl de crème liquide, du colorant alimentaire rouge, des décorations en sucre et 2 feuilles et demie de gélatine. Donc pour commencer, on va venir faire ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant environ 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, on va venir chauffer notre lait. Donc on prend une petite casserole, on verse le lait, puis la petite briquette de crème liquide. On ajoute le sucre, puis les deux sachets de sucre vanillé ou de l'arôme de vanille. Si vous en avez, c'est encore mieux. On vient mélanger tout ça et on porte à ébullition sans que ça crame, bien sûr. Ensuite, vous venez essorer dans vos mains la feuille de gélatine et vous la placez à l'intérieur. On ajoute du colorant alimentaire rouge. Donc moi, j'en ai mis de plus en plus au fur et à mesure parce que je voulais une belle couleur rose foncé. Donc après, vous faites selon vos goûts, vous n'êtes pas obligé d'en mettre aussi. Voilà, j'ai obtenu à peu près ce que je voulais. Je vais venir verser ma préparation dans deux verrines. Alors, je vais en foutre de partout, vous allez voir. C'est pas grave, je viendrai nettoyer par la suite. Donc, si vous avez des petites verrines, vous pourrez en faire 3 ou 4. Moi, j'en ai pris quand même des grosses, donc j'ai pu en faire que 3. Ensuite, dans le mixeur, on va ajouter les pêches coupées en morceaux. Donc, si vous avez pris de l'ananas, des framboises, c'est comme vous voulez, c'est selon vos goûts. On ajoute quelques cuillères de sirop qui se trouvaient dans la boîte. Par contre, prenez bien une petite boîte. Moi, j'en avais une très grosse, c'est parce que j'avais ça sous la main. Voilà, mais c'est pas grave, il en reste toujours. On mixe le tout et on va placer donc le coulis au frigo pour que ça refroidisse bien. Vous allez placer donc vos panna cotta et le coulis pendant plusieurs heures au frigo, au moins 5 heures. Ensuite, je vais colorer mon coulis de pêche. Si vous avez pris de la framboise, bien entendu, vous n'aurez pas besoin de le colorer. Moi, je voulais vraiment que ce soit les couleurs de la Saint-Valentin. Je sors mes petites panna cotta qui ont bien pris et j'ajoute le coulis par-dessus. Donc j'en mets à peu près à parts égales pour que ça fasse 1 cm d'épaisseur environ. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir décorer mes petites panna cotta. Donc là, j'ai pris des petits cœurs en sucre, donc blanc et rose. C'est parfait pour la Saint-Valentin et je trouvais que ça se mariait bien. Puis je viens prendre des espèces de petits diamants roses transparents que j'ai trouvé très mignons aussi. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette petite recette. Vous voyez, c'est très très simple à faire. Je vous conseille quand même de servir ça dans des petites verrines parce que c'est assez consistant et ça peut vite devenir écœurant. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de très gros bisous les filles. Bye!